Yo les gars, c'est Ainsi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, vidéo défi. Et donc sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver absolument tous les défis de ce chapitre 4. Donc s'il y a un défi que vous n'arrivez pas, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube. Ou alors vous marquez dans la barre de recherche votre défi, donc je sais pas, survivre nanana, entre parenthèses, Ainsi. Ou juste un espace. Donc ce défi les gars, on l'a déjà fait, mais il faut le faire une deuxième fois, j'ai l'impression. Donc on va le refaire, c'est parti, on lance la partie. Mais évidemment, avant de lancer votre partie, on n'oublie pas le code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Ça m'aide énormément. Je vous rappelle que je suis un petit youtubeur de 5000 abonnés. J'ai pas beaucoup de soutien. Et puis moi, en échange, je vous fais des vidéos défis. Et vous mettez mon code créateur. Je trouve que c'est un bon compromis. Et puis ça évite, les gars, de mettre le code créateur d'un youtubeur d'un million d'abonnés qui a 100 000 soutiens. Certes, peut-être que vous aimez beaucoup ce youtubeur qui a beaucoup d'abonnés. Mais ça sert à rien. Vaut mieux soutenir des petits youtubeurs comme moi. Ou d'autres youtubeurs, hein, si vous voulez pas me soutenir moi. Mais soutenez des petits youtubeurs, les gars, au lieu de soutenir des gros youtubeurs d'un million d'abonnés. C'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, mais au moins ça soutient des petits youtubeurs. Voilà quoi. Bon, j'arrête de me répéter, et c'est parti pour le défi d'aujourd'hui. Alors les gars, je suis sur mon compte secondaire. C'est pour ça que j'ai mon petit skin Bambi. Parce que sur mon compte principal, j'ai déjà fini tous les défis pour connaître les meilleures astuces. Donc comme ça, au moins, comme j'ai déjà fait les défis, je sais exactement ce qu'il faut faire. Et puis au moins avec mon compte secondaire, c'est comme si je recommençais les défis comme vous. Donc là, c'est comme si j'étais un abonné. Je faisais le petit défi. Et puis je vous le rappelle, il n'y a pas de montage. Pourquoi il n'y a pas de montage? Parce que quand il y a des montages sur des défis, bah en fait, peut-être que le youtubeur a mis 1 heure à faire le défi, mais il vous montre 2 minutes. Donc je trouve ça un petit peu de l'arnaque. Comme ça au moins vous voyez la vidéo dure 5 minutes. Et donc c'est exactement le temps que j'ai mis pour faire le défi. Vu qu'il n'y a pas de montage. Donc c'est très très cool, je trouve. Donc c'est parti. Le défi d'aujourd'hui est très simple, mais quand même très long. Donc on va quand même parler un petit peu. Si vous avez remarqué, vous êtes bien attentif et vous êtes actif sur ma chaîne YouTube, ce défi on l'a déjà fait. Sauf qu'il faut le faire une deuxième fois. Je sais pas pourquoi. Mais après, ça nous dérange pas, les gars. S'il y a deux fois le même défi et qu'en plus il est facile, ça nous fait de l'XP gratuit pour le pass de combat. Est-ce qu'on va vraiment se plaindre? Je ne pense pas. Donc c'est parti. Comme d'habitude, vous me connaissez, on va aller camper. Parce qu'on n'a pas envie de se faire attaquer par un petit tryharder. Donc on va camper. Et donc ce défi, il va falloir tout simplement patienter. Vous êtes pas obligé de camper comme moi. Mais si vous voulez être sûr à 100% de faire le défi, faut camper. Parce que si vous êtes dans une ville et que vous êtes mort et que quelqu'un vous tue, ben vous pouvez pas faire le défi. Donc pourquoi pas camper? Moi je trouve que c'est une bonne solution. Et donc pendant ça, je vais vous montrer dans vos paramètres. Il faut aller dans les touches et il faut descendre un petit peu. Et vous allez devoir trouver, voilà, ceci. Entrée de renfort. Pour changer ces paramètres, les gars, vous êtes obligé d'être en partie. Si vous êtes dans le lobby Fortnite, ça ne marche pas. Vous êtes obligé de lancer une game. Et donc entrée de renfort, ouvrir le choix de renfort et vous mettez une touche. Parce que de base, il me semble que la touche, c'est une touche qui ne marche pas. C'est une touche anglaise, donc... C'est pas cool, à moins si vous êtes sur manette, mais sur clavier souris, comme je vous l'ai dit, c'est une touche anglaise, et donc on n'a pas de touche anglaise sur notre clavier, sauf si vous faites le raccourci Windows espace pour mettre votre jeu en anglais. Mais bon, vaut mieux changer la touche, hein. C'est beaucoup plus pratique. Donc c'est parti, on attend un petit peu, ça dure 5 minutes, ça peut être long, mais bon, voilà, hop. On attend un petit peu. Et donc, ce défi, vous allez attendre et vous allez voir apparaître sur votre écran une petite icône bleue. Une petite icône bleue avec un petit décompte. Et cette icône bleue, il faudra tout simplement cliquer dessus avec la touche que je viens de vous montrer à l'instant. Donc voilà. On attend, on attend. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous le voyez. 10, 9, 8, 7, 6. Donc vous le voyez à droite, en haut de mon inventaire. 3, 2, 1, et voilà. Survivre jusqu'à ce que des renforts soient disponibles. Vous n'êtes même pas obligé d'appuyer dessus, les gars. Juste que ça apparaisse. Vous avez vu, j'ai pas appuyé dessus et j'ai récupéré le défi. Et donc, je quitte tout de suite. Et donc, vous voyez, on a réussi à faire le défi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et on n'oublie pas le code créateur NSU dans la boutique Fortnite pour me soutenir. Allez, ciao!